Transforme en performance, où tous les efforts consentis sont récompensés. Et quand ce moment arrive, soit vous faites confiance à ce que vous mettez en jeu, soit vous ne le faites pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en direct ici sur la page du Journal du Golf de Golf Up. Pour ceux qui ont pu voir une petite introduction de la vidéo drone, vous avez vu, vous avez aperçu une structure absolument magnifique dans le sud de la France. On est au centre Golf Up et particulièrement, je suis dans la box Titleist parce que Golf Up, elle a une des particularités, c'est que c'est un des deux endroits. Il y a Chantilly qui est le centre officiel, un fitting center, et il y a un deuxième fitting center qui est donc le fitting center Titleist situé à Golf Up, à Grimaud. On est environ à 20 minutes de chez moi et c'est un bonheur absolu. J'ai pu croiser tout à l'heure Robert aussi, qui est le créateur, le fondateur de cet endroit absolument sublime. Et puis, Robert a été tellement gentil, m'a laissé les clés, littéralement m'a laissé les clés de Golf Up ce soir parce que je suis tout seul. 17h30, on démarre le live un tout petit peu plus tard que prévu. Mais vous voyez qu'il fait donc, je vous le montrerai tout à l'heure, mais il fait complètement nuit. Et puis là, on a une baie qui est éclairée. Donc, un énorme merci à Robert aussi et à toute l'équipe de Golf Up pour m'avoir laissé en fait en quelque sorte les clés. Il faut bien que je vérifie que je les ferme en partant, hein, parce qu'il y a du matériel ici quand même. Alors, je vais juste me rapprocher de sur cette caméra. On a pas mal de choses qui se passent ce soir. On a deux angles, on a trois angles caméra. On va particulièrement parler des longs fers versus hybrides. Donc, quel choix est-ce qu'il faut faire entre les deux? Comment jouer les fers longs? Comment jouer les hybrides? Si aujourd'hui vous vous êtes posé la question, parce que c'est une question qu'on nous pose fréquemment. Quelle est la différence entre un long fer et un hybride? Comment est-ce qu'on doit les jouer différemment? Est-ce que je dois prendre un hybride si je joue déjà des longs fers ou vice-versa? Donc, je vais vous parler un petit peu à travers toutes les expériences que j'ai pu avoir au sein des joueurs amateurs et également les joueurs professionnels. Peser le pour et le contre dans les deux scénarios. Vous dire un petit peu à qui devrait s'approprier ce type de club-là. Et puis, en quelque sorte, ce que je voudrais également, c'est que ce live soit hyper interactif. On va rester ensemble pendant une quarantaine de minutes. Donc, la première chose que je voudrais savoir, c'est que, comme d'habitude, si vous m'entendez bien, parce que je suis dans une nouvelle structure aujourd'hui, micro aussi. Donc, si vous m'entendez correctement, juste dites-moi dans la zone de commentaires, son OK. Et puis, au passage, faites une petite dédicace, tiens, à votre golf préféré. Le golf que vous avez pu retrouver suite au déconfinement qui a eu lieu la semaine dernière. Vous avez tous, je pense, eu l'occasion à travers cette dernière semaine de retrouver vos parcours. Je l'espère, si on est à l'intérieur des 20 km. Hein, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais pour le coup, si ça a été le cas, dites-moi dans la zone de commentaires de quel golf est-ce que vous avez pu retrouver juste après le déconfinement. Comme ça, en même temps, moi, ça m'assure que le son marche bien parce que vous m'avez entendu correctement. Donc, son OK. Et dites-moi le golf d'où vous avez l'habitude de jouer et celui que vous avez retrouvé au déconfinement. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet. Au passage, je voudrais dire un énorme coucou à
Guillaume Biogeot, qui est le directeur du Golf PGA France du Vaudreuil et le directeur d'Altus Performance Europe, qui devait en fait faire ce live ce soir et qui malheureusement ne peut pas le faire. Donc du coup, j'ai pris sa place en quelque sorte aujourd'hui et j'essaierai de faire le mieux possible parce qu'on le sait très bien que Guillaume fait partie des meilleurs coachs français. Donc j'essaierai d'être à la hauteur, Guillaume. Mais pour le coup, voilà, juste un petit coucou au passage à Guillaume et en espérant que tout va bien de son côté. Ok, donc. Allez, on va un petit peu aller sur les différentes caméras qu'on a ici. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, donc vous voyez que la caméra down the line, donc qui est juste ici, celle que vous voyez juste là, vous allez voir que du coup, quand je vais me placer, alors j'espère que le zoom est bien, je vais juste vérifier au sein de, hop, non, là, ça, c'était pas la chose à faire, Lewis. Alors, on va dézoomer. Excusez-moi pour les petits problèmes techniques, messieurs, dames. Je rallume ma caméra de profil. Je veux m'assurer que vous me voyez correctement. Voilà. Donc là, on est bon. Bon, luminosité est bonne. Et donc, du coup, normalement, vous devrez me voir beaucoup mieux ici. Ok, super. Il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectées. Vous êtes plus de presque une centaine de personnes qui sont là. Merci beaucoup. Dédicace à Liladan, Son Hockey, Golf d'Esri. Salut Livio, le golf de le golf de ma salle à manger. Charmel, Son Hockey, Sounds Perfect, mon papa. Parti, ok, super. Donc on va parler de ça. Hello Lewis. Bonsoir à tous. À part du journal du golf qui est là, Rémi Rivière qui est aux commandes. Bonsoir à tous et bienvenue. Non, on n'est pas à Sainte-Maxime là, Rémi, on est à Golf Up à Grimaud. Il n'est pas là. Je l'ai pris un peu par surprise, Rémi, ce soir. Donc, du coup, vous m'entendez, vous me voyez bien. On va avoir également deux caméras. Donc, on aura une de face, une de profil. Si, au passage, vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On va commencer directement de face. Son OK. J'en ai du golf qui dit golf de Wallace Economy. OK, alors. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'encore une fois, les longs fers, c'est un sujet de débat. Souvent en cours, Lewis, j'ai une série de fers qui va jusqu'au fer 4. Aujourd'hui, il y a très peu de séries qui vont, donc on achète une série de fers qui vont jusqu'au fer 3, alors qu'auparavant c'était le cas, on avait du fer 3 jusqu'au pitch. Aujourd'hui, on nous propose plutôt des pitch jusqu'au fer 3 et si on a envie de compléter la série, on peut le faire à travers ce qu'on appelle des utility clubs, chose que j'ai dans mon sac, un fer 3, ou rajouter un hybride. Alors, ce qui est bien avec les utility clubs, c'est que c'est beaucoup plus facile que les fer 3 de l'époque. Les semelles sont un tout petit peu plus larges, pas aussi larges que les hybrides, mais elles sont vraiment très agréables à jouer si vous avez le jeu pour. C'est là où je vais entrer dans le concret des longs fers. Donc, parlons un petit peu, déjà commençons par les longs fers. Et dites-moi dans la zone de commentaires, parce que ça m'intéresse, combien d'entre vous, et dites-moi simplement, entre hybride ou fer long, qu'est-ce qu'aujourd'hui, et donc quand je parle de fer long, je parle du fer 3, dans votre sac aujourd'hui, est-ce que vous avez plutôt un fer long, un hybride, donc l'un ou l'autre, ou les deux? Donc dites-moi, hybride et fer, hybride ou fer? Dites-moi dans la zone de commentaires, je suis curieux de savoir sur le taux de pourcentage de combien de personnes aujourd'hui, dans les personnes qui regardent ce live, combien jouent les longs fers. Donc aujourd'hui, j'ai un fer 4. Je vous commence à m'échauffer parce que j'ai pris 45 minutes pour préparer ce live avec les caméras ici à Golf Up. Et donc, ça fait 45 minutes que je n'ai pas tapé une balle. Et vous savez que quand il fait, alors même si on est dans le sud de la France, il fait un tout petit peu frisqué. Il fait un peu frisqué aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous voyez là, l'air qui sort de la bouche. Et donc, pour le coup, je vais juste taper quelques balles pour m'échauffer un tout petit peu, réchauffer le corps. J'ai eu l'occasion de jouer ce matin, mais je vais quand même taper quelques balles. Et puis au passage, ça vous laissera le temps, pendant que je tape ces 3-4 balles, de me répondre dans la zone de commentaires. Pour ceux qui viennent se connecter, est-ce que vous avez un fer 3 dans le sac ou un hybride, ou est-ce que vous avez potentiellement les deux? Je vous laisse encore 30 secondes pour répondre à cette question. N'oubliez pas, on veut que ce live soit hyper interactif aujourd'hui. Ça fait bien de rejouer, j'ai retrouvé les parcours là cette semaine. Avec mon papa, on a joué un petit peu. Pour ceux qui ont suivi le live hier sur la page du journal du golf, j'ai fait un live sur le trou numéro 18.
Si vous n'avez pas regardé, je vous conseille de regarder. Pourquoi ? Parce que j'ai fait Eagle. J'ai fait Eagle en direct. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Allez, dernière balle et puis je vais regarder un petit peu les commentaires. Ah, ça commence à chauffer un peu là. Ouh. Alors, voyons voir. Voyons voir un petit peu les commentaires. Je m'arrête de faire 4, après bois 5. Super, merci pour les commentaires, hein, messieurs, dames, c'est super gentil. Salut Lewis, Alexis qui dit merci pour la leçon. Merci à vous, pour, surtout pour votre interactivité. On est un peu plus d'une centaine maintenant et puis vous répondez bien aux questions, donc c'est super gentil. Je m'arrête de faire 4, après bois 5. Les deux. Donc il y a pas mal de personnes qui disent les deux. Faire pour fairway, hybride pour rough, selon la confiance. L'hybride. Mais j'approche les 80 ans. Les deux, hybride et faire 4. Hybride, faire 4. Pas beaucoup de faire 3. Hein. Je préférais prendre 3 wedges et virer le faire 3. Moi, j'ai deux longs. Bravo, très joli rythme, Lewis. On dirait Raphaël Jacquelin. Merci beaucoup, Tiger Kawet, c'est gentil. Alors, petite anecdote, tiens, avant de retaper quelques balles par rapport à Raphaël Jacquelin. La première fois que j'ai rencontré Raphaël, il ne s'en rappellera pas, mais j'avais 14-15 ans. Et je caddiais pour David Ginola sur un tournoi qui avait lieu à Saint-Raphaël qui s'appelle l'Omnium de la Riviera. Et David, en fait, qui prenait à l'époque des cours avec mon papa, à Sainte-Maxime. Donc, on était devenus bons copains. On jouait souvent ensemble à Beauvallon avec David. Et donc, du coup, David, un jour, joue l'Omnium de la Riviera et il tombe dans la partie avec Raphaël Jacquelin, qui était le pro de la partie, parce que vous savez que ce tournoi-là se joue à deux, un amateur et un pro. Et donc, du coup, j'arrive au practice avec le sac de David et là, je tombe sur Raphaël Jacquelin qui s'échauffait au practice. Et c'est la première fois que je voyais Raphaël pour de vrai en action. Et j'étais complètement hypnotisé par le rythme de son swing. Et Tiger Kawet, je dis toujours le nom de famille parce que les gens vont croire que c'est le vrai Tiger. Donc, Tiger Kawet, je te remercie beaucoup pour ton commentaire parce que le rythme fait partie intégrante de la réussite que vous allez avoir avec vos hybrides ou avec vos longs fers. Je dirais encore plus avec les longs fers qu'avec les hybrides, parce que les hybrides sont un peu plus forgiving, on dit en anglais. Je cherche le mot en français. Ils pardonnent un peu plus les hybrides que les fers longs. Et on parlera du pourquoi, du comment dans quelques instants. Mais du coup, le fait de regarder Raphaël Jacquelin en action, ça m'a vraiment inspiré, parce que quand j'ai regardé le rythme et son tempo, ensuite, après la partie, je suis allé taper quelques balles. Et je me rappelle toujours aujourd'hui, vous imaginez, ça fait 20 ans, j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai 36 ans cette année, et je me rappelle comme si c'était hier, de ce moment où j'étais au practice en train de taper des balles, suite après avoir regardé Raphaël Jacquelin taper pendant 3 à 5 heures, et je me rappelle avoir une sensation hyper agréable, parce que j'étais complètement hypnotisé par le tempo de Raphaël Jacquelin. Et c'est vrai que le tempo, on en parle très rarement chez les joueurs professionnels. Si vous avez l'occasion d'aller à un tournoi du European Tour comme l'Open de France et vous allez au practice, allez regarder un petit peu les différents tempos parce que, par exemple, un tempo comme Raphaël Jacquelin va être très différent du tempo d'Alexander Levy, par exemple. Donc moi qui a grandi en regardant mon papa jouer, qui a plutôt un tempo d'Alexander Levy, qui a toujours été un joueur très offensif et très agressif dans sa façon de taper la balle, quand j'ai découvert Raphaël Jacquelin, ça a été l'opposé complet. Les deux sont top, hein, les deux sont géniaux, Mais pour le coup, c'est vrai que pour les longs fers et les hybrides, le tempo est quelque chose de primordial. Et même avec mon père, on en parlait il y a quelques jours du tempo et à quel point, quand on prend de l'âge, mon père qui a 62 ans, et on parlera aussi un petit peu de sa configuration de sac, parce qu'aujourd'hui, mon papa a fait un fitting en 2020 avec Tight Lest et à Chantilly. Et donc, du coup, on a refait son sac en entier. Puis mon père a préféré opter pour deux hybrides dans son sac. Donc, mon père a carrément deux hybrides. Donc ça, c'est intéressant parce que j'avais jamais encore rencontré un pro, un senior qui avait deux hybrides et quand je l'écoutais parler, c'était complètement logique en fait. Donc du coup, ça, c'est intéressant aussi de voir par rapport à votre jeu aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra choisir un hybride au lieu d'un long fer et peut-être pourquoi pas choisir deux hybrides. Tout à l'heure, j'ai vu, j'ai remplacé un fer 3 par un wedge en plus, donc j'ai 300 wedges. Moi, c'est la configuration par exemple que j'ai dans mon sac. J'ai 300 wedges. Un fer 3, un hybride et un driver. Et j'ai enlevé le bois 3 du sac. D'accord ? Alors, quand je joue, je parle, hein, parce que j'ai un bois 3, mais quand je vais jouer, je choisis soit le driver ou soit le bois 3, dépendant du parcours que je vais jouer. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas de
il n'y a pas de bien et mauvais dans le choix que vous allez faire. Il y a juste une meilleure compréhension de quel club va vous convenir par rapport à votre jeu actuel aujourd'hui. Mon papa qui a toujours joué avec des longs fers, mon papa à l'époque jouait des fers 2. Les fers 2 dans l'époque où il avait beaucoup de vitesse de club et des capacités physiques qui lui ont permis de créer cette vitesse de club. Du coup, il arrivait à jouer facilement avec le fer 2. Et aujourd'hui, il a fer 4 maximum et il a deux hybrides. Et donc, du coup, la raison est simple, c'est qu'il a mis son ego de côté et il a dit, tiens, le hybride, en fait, il va m'aider par rapport à mon jeu aujourd'hui à mieux scorer. D'accord ? Et ça, c'est juste par rapport à son système. Par exemple, de mon côté, j'ai préféré opter pour un fer 3 et parce que moi, j'aime bien avoir un club sur le départ qui me donne l'impression que je vais avoir plus de précision que le hybride. Notez le mot-clé, impression. Parce que quand je regarde mes statistiques sur le hybride avec le fer 3, les deux sont quasiment les mêmes, mais moi, je suis plus serein devant la balle sur le départ avec mon fer 3, qui est un utility club que je vais vous sortir maintenant, par rapport à un hybride. Le hybride, j'ai l'impression que quand je suis sous pression, que des fois je peux faire tourner la phase de club un peu trop rapidement à l'impact, avoir une phase de club un peu trop fermée par rapport au chemin de club, et ça crée beaucoup d'effets, beaucoup de dispersion vers la gauche. Donc en l'occurrence, mon fer 3 me donne l'impression d'avoir plus de contrôle. Parce qu'automatiquement, dans ma tête, j'associe fer 3 à un fer intermédiaire, fer 6, fer 7, et donc je me dis, je vais avoir plus de précision. Donc sur le départ, quand je suis parti voir Benoît Delcambre, qui est un fitting expert à Chantilly, chez Titleist, je lui dis, Benoît, écoute, pour l'instant, j'ai mon fer 4 maximum dans mon sac, et je voudrais avoir 20 mètres de plus, mais en gardant la même précision. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'il ne m'a pas regardé en me disant « Lewis, c'était dingue ». Il m'a juste dit « Écoute, ouais, complètement, on peut le faire ça. On peut rajouter un fer 3, tu vas avoir de la facilité à le jouer parce qu'il y a une semelle un peu plus large. » Donc, je vous montrerai à quoi ça ressemble dans quelques instants. Et par rapport au fer 4, tiens, je vais vous montrer tout de suite. Hop, la semelle. Je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, j'espère que oui. Je vais vous montrer en fait, ouais, pas forcément le zoom, mais un peu voilà, le fer 4 et le fer 3. Le fer 4 est un peu plus fin que le fer 3. Donc du coup, je regarde vos commentaires là. Super, merci pour vos commentaires. Je vais mettre la caméra de face. Donc pour le coup, le fer 3, j'ai demandé à Benoît Delcambre. J'ai dit, Benoît, j'ai besoin d'un club qui va me permettre de faire 20 mètres de plus, mais garder la même précision. Il m'a dit, essaye ça. Donc, il m'a donné un fer 3. Et pour le coup, ça m'a permis de comprendre par rapport au parcours que j'ai l'habitude de jouer. Très souvent, c'est cette maxime. Où je dis, combien de fois est-ce que je sors le bois 3 déjà? Et j'ai constaté que le bois 3, je le sortais une fois sur un parcours de golf. Et je me suis dit, mais combien de fois sur le départ est-ce que j'ai besoin d'un club autre que le driver? Et là, j'ai commencé à calculer et j'ai regardé que quasiment trois quarts du parcours, je n'ai pas besoin du driver sur le départ. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément à l'aise à taper le bois 3 ni le hybride sur le départ parce que j'ai l'impression que je peux faire plus de dispersion avec mon hybride et mon bois 3 que mon driver. Encore une fois, ça, c'est juste par rapport à mon jeu et mes sensations personnelles. Donc, pour le coup, quand j'ai posé la question à Benoît, il m'a dit, écoute, rajoutons le fer 3, voyons voir ce qui va se passer. Et là, boum, ce qui était cool, c'est que j'ai rajouté 20 mètres facilement à mes coups. Donc, je suis passé de 185 mètres avec mon fer 4, j'étais plus vers 190, à 210 mètres avec le fer 3. Et ça, c'est quand je suis sur un fairway. Quand je mets la balle sur un tee, je gagne un peu plus en longueur et en hauteur. Et pour le coup, je passe de facilement à 215, 220 quand je suis sur le départ. Donc, en l'occurrence, pour un joueur comme moi, qui génère suffisamment de vitesse pour me permettre de taper un long fer, c'est très utile d'avoir un fer 3. Donc, notez les différents mots-clés là, que je vous ai indiqués. Puisque j'ai une vitesse de club suffisamment élevée, je peux me permettre de jouer un long fer, un fer 3. Okay? La problématique que je vois souvent avec les joueurs amateurs qui jouent des longs fers, c'est 1. Le manque de distance et 2. Un mauvais contact de balle ou un contact de balle très irrégulier. On peut retrouver rapidement des grosses grattes. Et les distances, on dit souvent, j'entends beaucoup de joueurs amateurs et vous allez me dire si vous vous retrouvez. Lewis, je ne comprends pas, je tape mon fer 4 aussi loin que mon fer 7. Ça, c'est la phrase qui revient assez fréquemment. Je tape mon fer 5, mon fer 4 aussi loin que mon fer 7, je ne comprends pas. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas forcément dans une configuration pour taper un long fer et vous ne savez pas vous organiser d'une façon à taper un long fer.
Donc il y a les deux choses qui vont, que vous, les deux cases que vous n'avez pas forcément cochées. Donc la première étant, est-ce que vous avez suffisamment de vitesse de club pour taper un 4 ou un 3? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre les longs fers de côté et opter plus pour un hybride qui sera beaucoup plus facile. Et pourquoi? Le hybride, quand je le compare par exemple à un fer 4, parce que, alors il faut savoir que mes clubs sont un peu rallongés aussi, mais le hybride, pour la majorité d'entre vous, et là je vais me rapprocher de cette caméra, j'espère que vous le voyez. Hop. Vous voyez, quelle est la différence que vous voyez entre les deux clubs? J'espère que vous voyez. Voilà, parfait. Quelle est la différence que vous voyez entre l'hybride et le fer 4 là? Rapidement dans la zone de commentaires, dites-moi-le par écrit. Quelle est la différence que vous voyez entre ces deux clubs? La longueur. Le hybride est plus long qu'un long fer. Plus le club est long, plus vous aurez de la facilité à créer de la vitesse à l'impact. Okay? C'est pour ça que le driver dans votre sac, qui est le club le plus long, génère le plus de vitesse. Le sand wedge, qui est le club le plus court, génère le moins de vitesse. Donc déjà, juste avec cette compréhension du club, pour certains d'entre vous qui n'ont pas suffisamment de vitesse, et donc du coup, vous vous dites, bah, pourquoi est-ce qu'il faut que je passe d'un long fer à un hybride? Puisque l'hybride est plus long qu'un fer long, vous allez automatiquement générer plus de vitesse de club parce que la longueur du club est plus importante qu'un long fer. Okay? Donc ça, c'est déjà... On ne se pose même pas la question. Oui, non, mais en fait, c'est logique. Donc, votre manque de vitesse sera compensé avec un club qui sera plus adapté. Okay? Donc, en l'occurrence, l'hybride. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un mauvais, un bon choix. J'espère qu'à travers mes mots, vous êtes en train de vous retrouver dans une certaine catégorie de joueurs. Et là, vous êtes en train de vous dire, OK, ah, je comprends pourquoi j'ai besoin d'un hybride. Ou, je peux me permettre de jouer un fer 3. J'ai tendance à dire que si vous ne tapez pas, je veux dire votre fer 5 à une distance minimum de 160 mètres, vous pouvez peut-être mettre de côté le fer 3 et le fer 4. Okay? Donc un minimum, là, je dirais 150. 150 mètres au fer 5, qui est peu avec un fer 5, pour un joueur qui a de la vitesse. Hein. Donc, on a la recherche de quel club nous convient le plus. Je vais regarder rapidement s'il y a des commentaires. Ok, super. Les amis, vous êtes un peu plus de 100 sur le live. Donc, ce que je vous conseille, c'est de poser vos questions dans la zone de commentaires, si vous en avez. Je vais rester avec vous encore pendant une petite demi-heure. Ça ne fera pas plaisir à Rémi qui est derrière la régie. Mais je vais rester là parce que j'ai fait le déplacement à Golf Up et je vais en profiter un maximum, profiter des magnifiques installations ici à Grimaud, dans le centre Tight Lest. Et encore une fois, on pèse le pour et le contre sur les longs fers versus les hybrides. Alors, la bonne nouvelle pour ceux qui ont les deux, parce que maintenant vient la question de Lewis, j'ai les deux, est-ce que je dois jouer les longs fers différemment que les hybrides? Et la réponse est non. Le swing avec un long fer va être le même qu'avec un hybride. La chose qui va changer va être votre configuration, okay? La façon où vous devez vous organiser devant la balle. C'est ça qui va faire que vous allez avoir plus de facilité. Donc, avec les longs fers, ce que je voudrais, c'est que déjà je vais placer une petite baguette d'alignement en ligne avec la balle, parce qu'une des choses qui va être le plus important, ça va être la position de balle. Et la raison est simple, c'est qu'avec ce long fer, vous avez tellement peu de temps quand vous swingez ce club qu'il suffit que la balle soit positionnée un peu trop sur l'arrière ou un peu trop sur l'avant pour complètement louper le coup. Okay? Donc, les longs fers ne pardonnent pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pardonne beaucoup moins que les hybrides. Donc, on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus complexe ou beaucoup plus limitante, on va dire. Donc, la balle, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer en face de mon pectoral gauche. Donc, j'ai un système de position de balle qui est très simple. Je commence sur la balle au sternum, okay, la balle en face de mon sternum qui est la position de base que vous avez avec votre pitching wedge, fer 9. Okay. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement décaler mon pied droit vers l'arrière suivant le club que j'ai. Donc là je suis avec mon fer 9, fer 7, fer 4, fer 3, driver.
Et donc là, avec le driver, maintenant, vous voyez que la balle, elle est positionnée en face de mon épaule gauche. Mais elle n'a pas bougé par rapport à mes pieds. C'est pour ça que je ne parle jamais de la position de balle en relation avec les pieds, mais toujours la position de balle en relation avec le haut du corps. Très important, parce qu'on lit partout, et puis on regarde des vidéos, et puis on voit, tiens, la balle pied gauche. Ah, il faut que tu mettes plus la balle vers le pied gauche. Oubliez ça, s'il vous plaît. Parce que c'est la relation entre la balle et le haut du corps qui est importante, pas la relation entre la balle et les pieds. Donc, la balle commence toujours entre les deux, ce qui veut dire au sternum. Et après, à partir de là, la seule chose qui doit bouger, ça doit être le pied droit, vers l'arrière, latéralement vers la droite, pour un joueur droitier. Donc, je bouge mon pied droit suffisamment pour que la balle maintenant se retrouve en ligne avec le logo de mon polo, si j'en avais un. Okay ? Donc, ça va être en quelque sorte votre pec gauche, pectoral gauche. Okay ? À partir de là, j'ai positionné la balle suffisamment vers l'avant pour me permettre d'optimiser au mieux mon contact. Okay ? Si la balle est trop en arrière, je vais avoir un angle d'attaque trop en descendant et la balle ne va pas suffisamment prendre du vol, donc elle ne va pas forcément voler. Si la balle est trop en avant, je risque de passer un peu trop au-dessus et donc je risque de faire un top. Donc ce qu'on veut, c'est juste placer cette balle pour qu'elle soit en face du pec gauche. Et à partir de là, maintenant, j'ai mis cette configuration en place pour me permettre de taper la balle au bon endroit. La chose qui va aussi légèrement changer dans votre setup, parce que du coup, beaucoup de joueurs cherchent à lever la balle avec les longs fers suite à la difficulté, et je peux vous comprendre, hein, je suis tout à fait en phase avec ça, c'est que c'est difficile de lever cette balle avec les longs fers. Donc beaucoup de joueurs se retrouvent à rester sur le côté droit avec le sternum trop en arrière et se retrouvent à essayer de faire décoller la balle. Évidemment, j'exagère pour le but de cette vidéo. Et donc du coup, se retrouvent à faire des grattes ou toper la balle. Donc ce qu'on veut, c'est de visualiser que la balle est sur le pec gauche et que le sternum, du coup, se retrouve en ligne avec ma tête de club. Je répète parce que cet élément-là est primordial dans le setup. Le setup, ça va être 80% de votre succès dans ce coup-là. Okay ? Donc, la balle en ligne avec le pectoral gauche et le sternum en ligne avec la tête de club. Quand je me positionne avec un poids 50-50, automatiquement, je suis dans une bonne configuration. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que pourquoi je dis sternum sur la tête de club ? Parce que le sternum, des fois, on peut avoir un tilt, donc chose qu'on voudrait peut-être avec un driver. On veut essayer d'incliner les épaules vers la droite. Mais quand j'incline trop vers la droite parce qu'on veut essayer de la prendre par en dessous, ce qui va se passer, c'est que maintenant, le sternum se retrouve à droite de la tête de club. Et là, c'est gratte automatique. Okay ? Donc, sternum en ligne avec la tête de club. Okay ? Et à partir de là, maintenant, là, je me sens vraiment dans une très très bonne posture, dans une très bonne position dynamique pour pouvoir taper ce fer 3 avec succès. On ne va pas rentrer forcément dans la mécanique du swing parce que, comme je vous l'ai dit, la mécanique avec le fer 3 va être la même qu'avec l'hybride. Donc, je vais plutôt vous parler de la préparation, configuration et quel club vous devez choisir par rapport à votre système de jeu aujourd'hui. Je vais parler un petit peu de l'hybride dans quelques instants. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que si je tape cette balle dans la position actuelle, c'est dommage qu'on ne voit pas les balles là dans la. Et c'est dommage surtout que vous ne voyez pas le magnifique practice là de Golf Hub. J'espère que vous avez pu profiter du début où je vous ai montré en intro le vol du practice avec le drone, des images fournies par Robert et son équipe qui ont juste été au top à me donner ces images et me permettre d'utiliser le sound fitting Tate Lest. Voilà, celle-là, elle est bien contactée. Ok, on va passer un petit peu aux hybrides. Je regarde s'il y a des questions. Pour une balle plus basse, coup punché, le fer 3 permet une balle plus basse et roulante que l'hybride. Non. Alors, pour répondre à la question, la différence avec les fers par rapport à l'hybride, c'est effectivement les longs fers vont avoir une trajectoire de balle plus basse qu'avec l'hybride. C'est pour ça que vous devez avoir suffisamment de vitesse de club pour projeter ou de mettre de l'intention dans la balle pour qu'elle ait suffisamment de vol. Okay ? Donc ce qu'on veut, c'est que la balle aille chercher de la hauteur rapidement avec les longs fers. Si la balle est trop basse, comme une personne l'a indiqué, effectivement, quand la balle va arriver sur le green et sur le terrain, elle va avoir tendance à beaucoup rouler parce qu'elle a peu de spin. Okay ?
Donc, ce qu'on veut, c'est ce qu'on a un hybride, ce sera effectivement plus facile de créer de la hauteur au niveau de la trajectoire. Plus de hauteur veut dire que le point de chute sera un peu plus vertical. Et donc, du coup, on aura tendance à s'arrêter plus rapidement une fois que la balle va arriver sur les greens. Donc, oui, pour répondre à cette question. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse les longs fers par rapport aux hybrides sur les différents circuits professionnels, on constate qu'en fait, l'angle d'attaque, parce qu'on parle souvent de l'angle d'attaque en disant qu'il faut brosser l'arbre quand on est avec un hybride ou avec un long fer. Alors, je ne suis pas forcément en désaccord avec cette image visuelle qui peut être vraiment très bonne quand vous êtes devant la balle, d'avoir vraiment la sensation dans les coups d'essai, de vraiment sentir qu'effectivement, vous brossez le tapis dans ce sens-là. D'accord ? La réalité, c'est que puisque le placement de balle est à droite par rapport à mon épaule gauche pour un joueur droitier, la balle va être automatiquement prise en descendant. Toute balle qui est au sol va être prise en descendant. Okay ? La seule différence, c'est que l'angle d'attaque va être très différent entre un fer 3 et un fer 8 ou un fer 7, par exemple. Donc, un fer 7 et un fer 8, on va chercher à beaucoup compresser la balle. C'est pour ça que la position de balle est un peu plus en arrière, donc plus vers le sternum. Là, le placement de balle fait que quand je place ma balle en face de mon pectoral gauche, j'ai quand même un angle d'attaque parce que le point bas se trouve juste après la balle, donc juste en dessous de mon épaule gauche, c'est le point bas de l'arc. C'est au moment où le club commence à remonter en ascendant. Okay, donc on est en descendant jusqu'au moment où le club arrive en ligne avec en dessous de l'épaule gauche. On arrive en bas de l'arc et là, le club commence à voyager en remontant. C'est pour ça qu'avec le driver, on veut positionner la balle en face de l'épaule gauche parce que c'est à ce moment-là où le club va commencer à voyager en remontant. Okay, donc avec les fers, la balle va être légèrement à droite de ça, en face du pectoral gauche. Donc, on va être légèrement en descendant, mais pas autant que la balle ne va pas voler. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous parle de l'importance de la position de balle. Parce que si la balle, vous la placez au sternum, si vous vous organisez de la même façon avec un long fer qu'un fer intermédiaire, la balle ne va pas décoller. Donc, il faut placer la balle en face du pectoral gauche. Okay ? Engager le sternum en ligne avec la tête de club à l'adresse. Et à partir de là, visualiser peut-être un rythme ou un tempo à la Raphaël Jacquelin, on en a parlé auparavant. Et là, on peut y aller. Ok ? Allez, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que vous avez vu où je me trouve. Je suis dans la box Titleist à Golf Up, d'accord ? Donc, dans un des centres officiels en France de Titleist. Ça fait partie des seuls centres en France, ici à Grimaud, qui est officiellement un centre Titleist. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui dure 30 secondes des nouveaux bois à Titleist et puis après on va parler justement des hybrides. Le moment de vérité. Justin Thomas, who has the tee. Cet instant précis où la préparation se transforme en performance, où tous les efforts consentis sont récompensés. Et quand ce moment arrive, soit vous faites confiance à ce que vous mettez en jeu, soit vous ne le faites pas. Alors, je regarde en même temps les commentaires, je suis en train de les lire. Tac, je vais mettre la petite caméra down the line. Rémi qui dit la box de fitting extraordinaire. Yannick qui dit ça claque bien. Rémi qui est un bon élève qui dit parce que je suis sérieux, je note les conseils de Lewis dans un petit carnet. Alors on va passer à l'hybride avant de vous quitter pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'hybride? Je vois que vous êtes plus d'une centaine de connectés ce soir et je vous en remercie. On va parler un tout petit peu maintenant de l'hybride et à qui ça devrait convenir. Donc j'ai un hybride ici, le TS3 de chez Titleist que j'adore. J'ai tapé ce matin d'ailleurs sur un par 4. J'ai effectué un coup à 225 mètres avec cet hybride. Fantastique. À qui va convenir les hybrides? Bon, j'espère que pour ceux qui ont suivi le live depuis le début, maintenant, vous commencez à comprendre le pour et le contre sur les longs fers versus les hybrides. Quand vous avez un hybride dans les mains, vous aurez plus de facilité à créer de la hauteur. Vous allez également avoir plus de vitesse de club parce que le club en lui-même est plus long que les longs fers. Je vous ai montré, je me suis rapproché de la caméra, je vous ai montré que quand le club est plus long, on a plus de facilité à créer plus de vitesse de club. Okay ? Donc,
Un hybride va vous aider à taper la balle plus loin qu'un long fer parce qu'automatiquement, puisque le club est plus long, vous allez générer plus de vitesse au moment de l'impact. Le fait que la semelle du club soit également beaucoup plus large qu'un long fer, ce qui va se passer, c'est que le centre de gravité dans le club est plutôt situé ou équilibré d'une façon à ce qu'il est un peu plus vers l'arrière du club, contrairement à un long fer où le centre de gravité est plus vers... J'espère que vous n'entendez pas le bruit qu'il y a, qu'il y a là. Donc, centre de gravité avec les longs fers qui est situé plus vers l'avant et avec un hybride, le centre de gravité est situé plus vers l'arrière. Ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, plus le centre de gravité est placé vers le milieu ou l'arrière du club, plus on aura de la facilité à créer de la hauteur avec nos trajectoires. Donc du coup, c'est pour ça qu'un hybride, encore une fois, ça facilite la balle un peu plus en hauteur, ça facilite le fait qu'on crée plus de vitesse de club. Ce que j'aime bien aussi avec l'hybride, c'est que c'est multifonctionnel. On peut l'utiliser à la fois sur une mise en jeu, on peut l'utiliser sur le fairway, on peut l'utiliser dans le rough, on peut l'utiliser autour des greens. On voit de plus en plus de joueurs professionnels qui utilisent les hybrides pour faire des approches. Moi, c'est quelque chose que je conseille très fortement depuis un long moment maintenant à mes élèves. Quand j'ai l'occasion d'aller en stage et que je coach en présentiel et que je rencontre mes élèves, du coup, quand je leur montre cette approche, littéralement, ça change leur golf. Les amateurs sont tellement surpris par l'efficacité des approches avec le hybride. Donc, je parle toujours de retour sur investissement quand on effectue un coup de golf et aussi quand on met un club dans le sac. Donc, le retour sur investissement sur l'hybride est exceptionnel parce qu'on peut l'utiliser dans 4 à 5 configurations différentes. Mise en jeu, fairway, rough et autour du green. Okay? Donc, 4 configurations possibles. Avec les longs fers, on va plutôt l'utiliser dans 2, peut-être 3 configurations. Mise en jeu, mais encore une fois, mise en jeu pour les personnes qui ont de la vitesse de club. On va l'utiliser sur un fairway quand on a un bon lie. Donc, ça, c'est les 2 configurations possibles. Et la troisième configuration, c'est le rough, mais il faut que la balle soit vraiment dans un très bon lie. Donc, le fait qu'on a une semelle beaucoup plus large dans un rough va vraiment nous aider à faire glisser le club. Vous savez, à l'origine, l'hybride en anglais, ça s'appelle un rescue. Donc, rescue, il est là pour nous sauver en français. Donc, le nom se porte bien parce qu'effectivement, on peut utiliser ce hybride de plusieurs façons pour nous sauver. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit pour les personnes qui sont là depuis le début et pour les personnes qui viennent se connecter, on va faire une petite piqûre de rappel. Est-ce que le swing est différent entre un long fer comme un fer 3 vis-à-vis d'un hybride? Non, c'est le même swing. On ne va pas changer notre façon de swinger le club. On va par contre changer 2-3 petites choses dans le setup. Okay? Donc, ce qu'on va changer dans le setup, ça va être déjà la position de balle va rester la même. Donc, elle va se trouver juste sur le peg gauche. Okay? Je vous ai parlé de l'angle d'attaque des joueurs du circuit européen sur les longs fers vis-à-vis des hybrides et c'est quasiment les mêmes. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est deux choses quand on choisit un long fer ou un hybride, c'est la vitesse de club et l'angle d'attaque. Moi, pour moi, c'est les deux choses qui sont assez importantes. Okay? Donc, si vous avez un angle d'attaque qui est très en descendant, donc pour les joueurs qui ont tendance à revenir d'une façon beaucoup trop verticale de cette façon-là, angle d'attaque beaucoup trop en descendant, un hybride va vous aider avec le fait que la semelle soit plus large, va vous aider à décoller la balle plus facilement. Okay? Évidemment, un changement technique est plutôt envisagé, est plutôt conseillé. D'accord? Mais on associe les deux. On veut à la fois changer la mécanique et puis rajouter un hybride dans le sac pour créer de la facilité. Donc, balle en face du pec gauche. Et la seule chose qui va changer, c'est que cette fois-ci, mon sternum, je vais venir le placer à l'extérieur de la tête de club. Donc, je vais légèrement m'incliner vers la droite pour avoir le sternum qui est juste derrière la tête de club. Encore une fois, je travaille toujours sur des images qui sont très visuelles. J'espère que vous n'entendez pas trop les voitures qui passent à côté. Elles sont assez loin, hein, mais c'est le micro qui est très fort. Les voitures se trouvent à des kilomètres. Mais... Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que avec le fer 3, mon sternum est au-dessus de la tête de club. Et avec le hybride, mon sternum se trouve à droite de la tête de club. Et ça va me permettre, si vous voulez, d'avoir un angle d'attaque un peu plus neutre. Pour ceux qui ont tendance à avoir un angle d'attaque trop en descendant. Piqûre de rappel, quoi qu'il arrive, votre angle d'attaque sera légèrement en descendant. Quand on parle d'un joueur du circuit, c'est un angle d'attaque. Et encore une fois, ça sera toujours un petit peu différent. Mais la base pour un long fer, donc fer 3, fer 2 et un hybride, on se retrouve autour de moins 3, moins 4 degrés sur un angle d'attaque pour un joueur professionnel. Donc, ce n'est pas beaucoup. Moins 3, moins 4, ce n'est vraiment pas énorme. Donc, c'est pour ça que
Ce qu'on veut, c'est dans la configuration avec l'hybride, pour nous aider en fait à brosser et à caresser ce tapis, on veut placer le sternum juste derrière la tête de club. Et ça, ça va nous permettre d'avoir plus de facilité à l'attraper un peu plus sur un angle d'attaque plus neutre. Moins 3, moins 4, c'est ce qu'on recherche. On ne veut surtout pas un moins 8, moins 9 en termes d'angle d'attaque, donc trop en descendant. Une autre façon de le visualiser, c'est d'imaginer peut-être un avion qui atterrit. Et quand il atterrit, il doit redécoller tout de suite. Donc ce qu'on veut, c'est juste qu'il a, boum, il arrive, quand, le moment où il arrive sur la piste, il pose, il se pose et boum, il est prêt à redécoller. Okay, ce qu'on veut surtout pas, c'est que l'avion s'écrase dans le sol. Donc, c'est parti. Balle en face du pec gauche. Le sternum juste derrière la tête de club. Et à partir de là, je peux y aller. Et alors, ce qui est hyper agréable dans la sensation là, c'est que je vous ai dit au tout début du live que là, il doit faire à peu près 5 degrés là, parce que j'ai la température sur ma montre. Il doit faire à peu près 5 degrés. Donc, il fait assez froid là. Même si on est dans le sud de la France, il fait nuit et quoi qu'il arrive, partout en France, quand il fait nuit en décembre, il fait froid. Donc, du coup, le corps se refroidit très rapidement. Et une chose qu'il faut prendre en compte dans une météo comme l'hiver, c'est que les longs fers, bah, du coup, quand il fait froid, comme ce matin quand j'ai joué avec mon père à 8h30, l'exemple type, sur le trou numéro 10, j'ai tapé un fer 4. Je peux vous promettre, quand j'ai tapé le coup, j'ai fait « Ouh là là !» Mon corps ne m'a vraiment pas remercié du tout. Mon père a tapé un magnifique coup d'hybride sur le fairway. Moi, j'ai tapé un fer 4 sur le fairway aussi. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été la même sensation. Donc du coup, un hybride aussi sera plus facile à taper dans une période hivernale, quand il fait froid, et surtout quand vous avez des temps d'interruption où vous ne tapez pas une balle pendant 10 minutes quand vous êtes sur le parcours, ou en l'occurrence comme moi, je ne tape pas pendant 10 minutes parce que je suis en train de faire ce live, le hybride est beaucoup plus facile à reprendre en main et à swinger. J'ai cru que c'était ma balle, j'ai vu un avion passer, j'ai vu une lumière, je pensais que c'était ma balle. Allez, je vais regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas à en poser si vous en avez. Waouh, beaucoup de questions ce soir et merci beaucoup. Vous êtes plus de 120. Ça fait 42 minutes qu'on est en live. Il y a Rémi Rivière qui va me disputer là. Juste après, il va m'envoyer un message. Mais c'est pas grave, on prend des risques. Je vais rester encore 5-10 petites minutes avec vous parce que franchement, c'est un bonheur absolu d'être dans cette box Titleist à Golf Hop. C'est juste tout seul en plus, tout seul. C'est dingue, c'est complètement dingue. C'est mon rêve pour tout vous dire. Mon rêve, c'est d'avoir une box comme ça, où je peux aller m'entraîner quand je veux dans la journée. Ah, ça là était encore mieux. La sensation est super là. Donc, un petit recap pour les personnes qui viennent de se connecter. Pour les personnes qui sont là depuis le début, posez vos questions. Je vais prendre 2-3 questions juste avant de vous quitter. Donc, si vous en avez, c'est le moment. Long fer, adapté aux joueurs qui ont suffisamment de vitesse. Plutôt un club qu'on va utiliser sur une mise en jeu où le trou va être assez étroit. Donc, moi, par exemple, c'est ce que j'adore. J'ai mon fer 3 dans le sac, utility club. Ce qui est top d'ailleurs pour les personnes qui ont la vitesse nécessaire pour taper ces longs clubs, c'est qu'aujourd'hui, les fer 3, donc la semelle est beaucoup plus large que les fer 3 de l'époque. Parce que moi, j'adorais taper les fer 2 et les fer 3 à l'époque, mais c'est vrai qu'ils étaient difficiles à jouer. Il fallait prendre l'habitude de les jouer constamment. Mais j'adore les fer 3 de chez Titleist parce qu'ils sont un peu plus larges. Donc du coup, j'ai cette sensation de précision, mais en même temps de facilité. Ça, c'est uniquement pour moi parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, à mon âge, j'ai 36 ans, j'ai la vitesse nécessaire. Mon papa, qui a 62 ans, a 2 hybrides dans son sac. Il a un fer 4, donc il a driver, bois 3, 2 hybrides, fer 4, jusqu'au pitch. Okay, donc ça, c'est sa série. Et ces 2 hybrides-là, il les utilise sur le parcours. Il les utilise de façon différente. Il y en a qui l'utilisent sur le départ, il y en a qui l'utilisent pour attaquer des par 52, il y en a qui l'utilisent pour des longs par 4, il l'utilise à la fois dans le rough, il l'utilise autour des greens. Voilà, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le hybride, il est multifonctionnel. On peut l'utiliser dans 4 configurations différentes. Mise en jeu sur un trou étroit, fairway, rough, quand le rough est un petit peu épais, et donc on veut glisser la tête de club dans le rough, autour des greens. Donc, quand on veut faire des approches, moi, j'adore ça. Vous savez, surtout en période hivernale, quand
les autour des greens, le terrain n'est pas forcément aussi bon qu'en saison, hein, quand il fait beau. Du coup, on retrouve des terrains un peu plus humides, hein, pendant l'hiver. Les approches à l'hybride autour des greens, moi j'adore. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et c'est quelque chose que je conseille énormément aux amateurs parce qu'on gagne énormément de coups en faisant ces choses-là. Donc, c'est pour ça que quand on parle de faire vis-à-vis d'un hybride, il faut prendre tous ces facteurs-là en considération. Ça, c'était la meilleure de la journée, ça. Allez, je regarde s'il y a des questions. Alors, pas mal de commentaires. Alors là, il y a Julien, il est connecté depuis le début, mais il pose une question. Salut, quelle est la différence entre hybride et U510? Julien, tu es là depuis le début du live. J'ai consacré 45 minutes à ça. Franchement, regarde le live en replay. Norbert qui est là, bonsoir senior. Faire jusqu'au 5, ensuite hybride 22, puis bois 5 et 3. Plus driver, mais mieux que. Mais pas mieux que vous 3. Qu'en penses-tu? Alors attends. Bonsoir, senior. Faire jusqu'au 5, donc ok, top. Ensuite hybride 22, génial. Puis bois 5 et 3. Plus de driver, mais pas mieux que vous 3. Qu'en penses-tu? Tu veux dire pas mieux que les 3 hybrides, bois 5 et bois 3? Si c'est le cas, si tu te sens mieux avec le bois 3 que le driver, pas de problème. Moi, j'ai tendance à dire, si tu es un joueur senior, je pense quand même que le driver est un club que tu devrais avoir dans ton sac. Donc, j'ai des joueurs dans l'académie qui n'ont pas tapé le driver depuis 2-3 ans, qui ont un driver dans le sac, mais qui ne le jouent pas, ils se sentent pas aussi performants. Donc, c'est peut-être une évolution mécanique qu'il faut faire dans ton swing pour te permettre de jouer ce driver. Mais franchement, joue ton driver, ou en tout cas, apprends à le jouer avec l'aide d'un coach. Parce que je te promets que tu vas gagner 20 mètres en plus par rapport à ton bois 3 quand tu vas savoir le taper correctement. Et quand tu es senior, la distance est primordiale. On est en train de créer un programme senior avec mon papa. Donc si ça t'intéresse, tu me dis dans la zone de commentaires. D'ailleurs pour tous, hein, si vous êtes joueur senior et que vous regardez ce live, si ça vous intéresse, mettez simplement « oui, ça m'intéresse » dans la zone de commentaires. Je vous enverrai un lien la semaine prochaine. On a un programme spécialement conçu pour les seniors et la distance, c'est 80% du programme parce que justement, c'est quelque chose que mon père a vécu quand lui, il a fait la transition entre joueur adulte et adulte, enfin moins de 50 ans et quand il a transitionné dans le monde senior, il a perdu pas mal de distance pendant un certain temps qu'il a ensuite regagné à travers des choses qu'on va vous montrer dans le programme. Donc, si ça t'intéresse, tu me dis, je t'enverrai le lien. Sur une même distance entre le fer et un hybride, quel choix dois-je faire? Sur une même distance entre un fer et un hybride, quel choix je dois faire? Bah, tout dépend de si tu es un joueur senior. Je vais peut-être baisser un peu mon micro parce que j'ai l'impression qu'il est un peu fort. Hop. Moi, je dirais hybride. Parce que le hybride sera quoi qu'il arrive. Tu pourras l'utiliser dans plus de configurations sur un parcours de golf. Tu pourras l'utiliser sur un like un peu mauvais, tu sais, le long fer, même si tu fais des distances, parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est cette distance que tu fais qui est la même que ton hybride, est-ce que tu l'as fait sur une configuration de practice, hein, sur un tapis comme celui-ci, qui est génial, mais est-ce que tu le fais également sur un parcours de golf? Quand on te met sur un lie sur le fairway, est-ce que tu effectues la même distance? Parce que ça, c'est deux choses qui sont différentes. Est-ce que tu effectues la même distance que dans le rough? Quand ta balle est dans un rough et que tu tapes un long fer et un hybride, est-ce que tu fais la même distance? Donc, prends pas juste uniquement le cas de je fais la même distance avec un Trackman, Flightscope, Quad, peu importe, sur le practice. Fais le rapprochement sur le parcours. Donc, c'est pour ça ce que je t'encourage à faire, c'est peut-être de tester sur le parcours quand tu es tout seul ou juste avec un partenaire de jeu. Parce que comme à Sainte-Maxime ce matin, j'ai pris un plaisir de jouer avec mon papa, on était deux et puis de temps en temps, je remettais une balle parce que j'étais en train de tester deux, trois choses. Voilà, ça c'est carrément le moment où il faut aller seul sur le parcours ou avec un copain ou avec son coach encore mieux. Et là, de tester en fait les deux clubs dans différentes situations, sur le fairway, dans le rough, sur la mise en jeu par exemple. Donc trois configurations, est-ce que tu effectues les mêmes distances?
Si la réponse est toujours oui, ce qui sera, je pense, pas le cas, je pense que tu iras toujours plus loin avec le hybride qu'avec le long fer. J'irai quand même vers le hybride parce qu'avec le hybride, tu vas avoir plus de hauteur et donc le point de chute arrivera avec un point de chute un peu plus vertical, ce qui veut dire que la balle aura plus de facilité à s'arrêter rapidement sur les greens. Surtout avec ton hybride 22 là. Tu m'as dit hybride 22, donc hybride 22, la balle va s'arrêter assez rapidement. Ah super, donc il y a Alain qui dit intéressé aussi par le... Ah oui, d'accord, par le programme. Oui, je veux bien. Oui, ça m'intéresse. Jean-Pierre qui est... Super, bah, écoutez, bah, toutes les personnes qui ont marqué ce matin, donc ça c'était vraiment... C'était une aparté, hein. C'était une petite entre parenthèses parce que j'ai reçu la question hein, de la part d'un joueur senior. Voilà, pour les joueurs seniors qui m'ont marqué, oui, ça m'intéresse de recevoir les informations sur un programme spécialement dédié aux seniors qu'on est en train de tourner avec mon papa qui est lui senior. C'est la première fois en France qu'un programme va être tourné avec un pro senior, d'accord, un vrai senior. Donc pour le coup, je vous enverrai un lien, je vous enverrai toutes les infos avec grand plaisir. Alors je prends le temps s'il y a d'autres questions et ensuite je vais vous quitter là-dessus. Je vois qu'on est toujours 100 personnes de connectées. Je vais retaper 2-3 balles avec mon hybride et puis peut-être que s'il y a des tis, est-ce qu'il y a un tis ici? Peut-être taper mon... Il n'y a pas de tis, donc c'est pareil, je resterai à l'hybride. C'est cool, ce matin je visionne le 18 à 7 maxi, mais ce soir un live sur l'hybride que tu as tapé ce matin au départ du 18. C'est vrai Enzo, c'est vrai, hier soir j'étais au 18 de 7 maxi. Alexis, comment choisir un hybride ou un fer? Non mais vous le faites exprès, ou soit Alexis tu viens de te connecter, je pense que tu viens de connecter Alexis, donc on va le pardonner parce qu'il y a 100 personnes qui sont là, qui vont t'assassiner dans la zone de commentaires, on va te pardonner, mais si t'as pas la réponse parce que tu viens de te connecter, ce que je te propose Alexis, c'est que tu regardes le live en replay qui sera disponible, comme tous les lives qu'on tourne d'ailleurs, avec mes amis Rémi, Guillaume, et Kelly Sautière qui intervient de temps en temps sur les lives qu'on propose dans la semaine. Il y a un onglet cours de golf en ligne sur le journal du golf et là tu vas pouvoir retrouver en fait, juste après que le live soit terminé, tu vas pouvoir retrouver ce live là. Donc je te propose de le re-regarder et là j'explique vraiment la différence entre les deux, les fers et les hybrides et à qui ça convient surtout. Okay, et je rajouterai à ça que je vous ai montré le setup parce que le setup, comme je vous ai dit, pour moi c'est une grande partie du succès avec ces longs fers et les hybrides. Donc, c'est pour ça que le setup, je voulais vraiment en parler sans rentrer dans la mécanique du swing parce que, encore une fois, ce n'est pas le moment ni le lieu, mais parce que chaque swing est différent. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire à tous, bon, voilà, on va tous swinger de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clés pour taper un bon hybride ou un bon long fer, c'est position de balle, position du sternum en relation avec la tête de club, à l'adresse et ensuite un bon tempo. Okay, et évidemment, suite à ça, vous aurez un angle d'attaque optimal et une vitesse de club suffisamment importante pour taper le coup que vous aurez choisi, le long fer ou l'hybride. Dites-moi dans la zone de commentaires si vous voulez, parce que je vois que vous êtes toujours pas mal de connectés, avant de vous quitter là-dessus, parce que c'est la première fois que je fais un live sur l'hybride et le long fer, et je remercie Guillaume Biojo parce qu'à la base, c'était sa thématique à lui, mais malheureusement, il n'a pas pu faire le live ce soir, donc j'ai pris sa place. Mais si ce live vous a plu, dites-moi-le dans la zone de commentaires. Je suis vraiment curieux de voir si ce type de live vous plaît, si vous souhaitez qu'on en refasse sur les clubs, sur les différentes thématiques de ces clubs-là, comment jouer un hybride, comment jouer un long fer. C'est des choses qui sont un peu plus particulières, des thématiques un peu plus spéciales, spécifiques, on va dire. Donc, si ça vous a plu, dites-moi dans la zone de commentaires, oui, génial, ou non, Lewis, j'ai pas aimé. Enfin bref, peu importe ce que c'est, dites-moi dans la zone de commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Allez, je vais taper 2-3 hybrides. Yes, super. Ok, top. Allez, je vais taper 2-3 hybrides. Alors, je garde la caméra de face. Est-ce que... Alors, attendez, ouais. Je vais la remettre, la caméra de profil, pardon. Parce qu'il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer sur l'hybride pour rentrer un peu plus dans la technique du swing. Okay, pour ceux qui ont tendance à arriver dans une position où la tête de club est ici, donc à l'extérieur des mains, dans le downswing, okay, donc juste avant l'impact ici, pour vous, je dirais, évitez les longs fers.
D'accord. Donc, encore une fois, j'aime pas généraliser, hein, parce que il y a des cas particuliers, mais qui représentent toujours un tout petit pourcentage. Donc, je sais qu'il y a toujours 10% ou 5% d'entre vous qui vont dire « Ah non, mais attends, mais moi, si, moi, ça. » Mais la réalité, c'est que la majorité d'entre vous, si vous arrivez dans cette position-là, dans le downswing ou même là, un long fer va être très compliqué parce que vous allez avoir un angle d'attaque qui sera peut-être un peu trop en descendant. Donc, ce que je veux, parce que le plan de swing arrive sur un plan un peu trop vertical, vous voyez. Donc, ce qu'on veut avec le hybride, c'est puisqu'on veut que l'angle d'attaque soit un peu plus neutre, pas positif, mais neutre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'angle d'attaque, quoi qu'il arrive, quand la balle elle est au sol, sera toujours négatif, proche de neutre, mais elle sera toujours moins 2, moins 3, moins 4. D'accord, avec les longs fers hybrides, on est autour des moins 3,5 en général pour les bons joueurs. Okay, donc, du coup, ce qu'on veut, c'est se rapprocher de cet angle d'attaque avec le hybride. Et la façon dont on fait ça, c'est d'aplatir un petit peu le downswing ici, de visualiser que le downswing est un peu plus à plat pour nous permettre d'arriver dans une position où l'angle d'attaque sera plus neutre. Plus vous allez arriver sur un angle d'attaque, pardon, sur un plan vertical, plus l'angle d'attaque sera en descendant. Et donc, pour le coup, que ce soit un long fer ou un hybride, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé aussi du setup, parce que le setup va vous aider à réaliser cette position plus facilement. OK ? Donc, un petit rappel pour ceux qui viennent se connecter et qui me demandent, ne me demandez plus, hein, Lewis, fer ou hybride ? Donc, position de balle en face du pec gauche, le sternum à droite de la tête de club avec l'hybride, en ligne avec le fer, avec le long fer. OK ? Donc, je veux que mon sternum soit légèrement à droite par rapport à la tête de club. Ça m'indique que j'ai bien incliné mes épaules vers la droite. Pas trop non plus, d'accord ? Donc, je veux pas la même position qu'un driver. OK, ce n'est pas la même configuration. Donc là, à partir d'ici, maintenant, je vais chercher à juste aplatir un tout petit peu mon downswing pour me permettre d'attraper la balle sur un angle d'attaque assez neutre, quelque part autour de moins 3, moins 4. OK, les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère, attendez, juste avant de vous laisser, je regarde les commentaires. Et vous dîtrez à Rémi Rivière de me pardonner au journal du golf parce que ça fait une heure que je suis là normalement, les lives sont une demi-heure. Désolé, hein. Désolé à tous. C'est normal, les lives sont 30 minutes et là, j'ai passé une heure. Je m'en excuse. Trop pris en cours, je reprendrai un replay. Ouais, hybride se joue comme un fer. Regardez, le grip est-il différent sur un hybride ? Non. Super pour ces dernières précisions, pour ceux qui ont pris. Rémi, ton live était génial, sauf quand tu as dit qu'il fallait que je tape des hybrides à mon âge. Alors, j'ai pas parlé d'âge, attention. Hein. L'important, c'est la vitesse. Mais on sait que la vitesse descend au fur et à mesure quand on prend de l'âge. Donc, mon père, par exemple, qui avait beaucoup de vitesse de club, malheureusement, naturellement, plus on prend de l'âge, plus la vitesse de club descend. Donc, ce n'est pas forcément une question d'âge, c'est une question de vitesse de club. Parce que peut-être que vous avez 50, 55 ans et que vous swingez avec beaucoup de vitesse. Bon, ben, dans ce cas-là, favorisez plutôt un fer 3 si vous en avez envie. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de l'âge. Même si, en général, les joueurs seniors, pour encore une fois, 95, 99% des cas sur les joueurs seniors, vous devez avoir un hybride, même voire deux hybrides dans votre sac, comme mon père qui a 62 ans, qui a plus de vitesse de club que la moyenne des joueurs seniors, okay. Donc, il a à peu près la même vitesse qu'un joueur senior sur le circuit et il a deux hybrides dans son sac. Donc, c'est très utile. Mais encore une fois, on parle de vitesse, de configuration à prendre en compte quand vous allez taper sur un Trackman ou sur un Flightscope ou ici un Top Tracer. Et ici, ils font d'ailleurs des analyses à Trackman. Les deux chiffres à prendre en compte, c'est la vitesse de club et l'angle d'attaque. Okay, ces deux choses-là vont déterminer si oui ou non vous pouvez taper un long fer ou un hybride. Ok. Alors ça, c'est une très, très bonne question. Ça, c'est, tu sais quoi, tu as posé cette question en rigolant, Tiger Kawet, et je vais finir là-dessus. Et comment fait-on quand on a 50 ans et 36 dans la tête? C'est une superbe question, même si elle était en blaguante, en blague. Et c'est parce que je vois tellement de joueurs seniors, en l'occurrence, t'es pas senior encore, 50, là, t'es juste sur la ligne senior, mais qui ont du mal à mettre un petit peu l'ego de côté et à dire « Ah, tiens, je vais poser mes longs fers et puis je vais prendre mon hybride. » Ou « Je vais tenter ci, ou je vais tenter ça. » D'accord ? J'en ai en cours, d'accord ? J'en ai en cours. Donc là, c'est plus peut-être un psy qu'il fallait voir pour vivre la transition d'une meilleure façon. Tu peux rester dans ta tête à 36,
mais dans le swing, on reste à 50, donc du coup, on prend l'hybride. J'adore vos commentaires ce soir, vous êtes au top. Allez, je vous quitte là-dessus. On va se retrouver demain soir, super live sur le wedging. On va parler des wedges tightless particulièrement. Je vais vous montrer comment maîtriser vos distances, les trois clés pour contacter vos wedges de la meilleure façon possible, parce que pour moi, le contact est primordial quand on parle de wedge. Tout part du contact. Quoi qu'il arrive, le contact prime sur tout. Donc, du coup, on va parler de ça demain soir à 17h en direct sur la page du Journal du Golf. On sera à nouveau en direct ici au magnifique centre Titleist à Golf Up, situé à Grimaud. Je remercie toute l'équipe de Robert aussi de m'avoir accueilli les bras ouverts. Ils m'ont tellement bien accueilli qu'ils m'ont littéralement laissé les clés de la maison. Donc, je vais devoir fermer la porte juste derrière moi. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point Robert a confiance. T'inquiète pas, Robert, je ne vais pas prendre les clubs. Je n'ai pas embarqué tout ça avec moi, même si j'ai très envie. Mais du coup, un grand merci à toute l'équipe de Golf App. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Et on se retrouve demain soir à 17h pour un live spécial sur le wedging. Je vous laisse avec la magnifique vidéo de Titleist sur la présentation des nouveaux drivers. Moment de vérité. Justin Thomas, who has the tee. Cet instant précis où la préparation se transforme en performance, où tous les efforts consentis sont récompensés. Et quand ce moment arrive, soit vous faites confiance à ce que vous mettez en jeu, soit vous ne le faites pas.